La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, nous allons parler de ce livre « Seul l'amour peut » de David Samuels. On va en parler avec Sébastien Roux de 7.info. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, c'est un auteur qui a grandi au Brésil et qui nous livre un recueil de reportages littéraires. Tout à fait. Donc avec ce livre « Seul l'amour peut te briser le cœur », c'est une anthologie de reportages, une vingtaine de reportages au plus près du réel. C'est-à-dire qu'avec ce reportage dit type littéraire, l'auteur va s'immerger, va aller au plus profond, va livrer un récit sur différentes facettes de la société américaine. Donc par exemple, il parle beaucoup du monde de la musique, que ce soit les festivals ou les profils des artistes. Donc on a Britney Spears, Kanye West, Kurt Cobain, et en même temps, il dépeint leur milieu. Donc les paparazzi, la mégalomanie pour certains, ou au contraire la solitude pour d'autres. Il y a aussi tout un volet sur les hommes politiques, Donald Trump ou Barack Obama, et là il va s'intéresser à ce qui les entoure, les campagnes de financement. On sait qu'en Amérique, il y a énormément de millions de dollars qui sont investis pour supporter les candidats, donc il décrit tout cela. Et enfin, dernière partie, c'est aussi des sujets plus insolites, atypiques, sur les passions pour les courses canines ou les entreprises qui dynamitent les grands hôtels de Las Vegas. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Alors effectivement, Seul l'amour peut, c'est la première partie du titre. Et puis si vous tournez le livre, vous allez voir qu'il y a Te briser le cœur. Seul l'amour peut te briser le cœur de David Samuels. Donc c'est l'œuvre qu'on vous conseille aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur latélé.ch pour d'autres livres. Et puis je vous dis à très bientôt sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page.